Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. On sait aujourd'hui que vous êtes quand même une des grandes figures de la critique du cinéma. Pour vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans la critique du cinéma et avec vos propres définitions, pour vous, qu'est-ce que c'est exactement ? Bon, Truffaut avait dit une phrase, puisque Truffaut a commencé lui aussi par la critique, et en fait, notre génération, ce qu'on appelait la nouvelle vague, nous avons tous commencé par la critique. Alors, la critique, vous savez pourquoi ? C'est parce que nous aimions le cinéma, mais ça aurait pu être dans n'importe quel autre art, ça aurait pu être la danse, ça aurait pu être la musique, etc., aucune importance. Il faut d'abord être passionné, et aimer, et évidemment, réfléchir à ce qu'on aime. Et réfléchir à ce qu'on aime fait partie du phénomène même de la critique. Sachant que ce dont il faut se méfier, c'est ce que avait très bien compris Truffaut, quand il disait, jamais tous les enfants disent ce qu'ils veulent faire plus tard, mais aucun enfant dit je veux devenir critique. Parce qu'en effet, la critique, c'est quelque chose a priori de négatif. Ce qui est faux. Car si on réfléchit bien à la création, là je parle de la création artistique, mais c'est vrai aussi dans l'industrie, etc. Tout créateur est obligé de passer par la critique. Si vous prenez un exemple simple et facile à comprendre, un peintre, mettons, quand il peint, il est obligé de se reculer pour voir ce qu'il a fait. Et donc de juger ce qu'il a fait. Et donc de critiquer ce qu'il a fait. Critiquer, ici, d'une façon positive et non pas de façon négative. Qu'est-ce qu'il faut modifier ? Est-ce que une couleur bleue plutôt qu'une couleur rouge ? On va avoir que... Voilà, la même chose en littérature, la même chose dans tous les arts. Bon. Et aussi dans une industrie, pourquoi plutôt ça que ça ? Bon. Et ça, ce phénomène de la critique est quelque chose qui existe dans toute création. Alors, moi je suis pour, et ce que nous avons tous été à ce moment-là quand on a fait les cahiers du cinéma et qu'on préparait la nouvelle vague, on voulait justement parler du cinéma, parler donc de l'art qui nous intéressait et la manière d'aborder cet art, la façon de le regarder et évidemment par la même occasion, à ce moment-là, d'intervenir dans le jugement que l'on avait sur les œuvres qui étaient en train de se faire. Était-on d'accord ou pas d'accord ? Voilà. Mais si on a fait des critiques négatives, mais comme toujours dans ces cas-là, des critiques qui sont injustes, car le propre d'un critique, c'est d'être injuste. Sinon, ce n'est pas la peine. Un critique, s'il sait vraiment ce que doit être la création, ben justement, il a plus besoin d'être critique, qu'il soit créateur. Hein. Donc, le fait d'avoir des idées, des options, en disant ça c'est l'art qu'il faut faire, ça c'est bon, etc., ça c'est pas bon, c'est en même temps à la fois indispensable. C'est la théorie du cinéma. La théorie du cinéma, c'est en où la théorie de l'art. Bon. Par exemple, quand les impressionnistes arrivent, ils sont en train de juger que la peinture qui les précède est une peinture qui n'est pas bonne. Il faut changer. Pourquoi ? Parce que la vie a changé, la société a changé, et donc le regard doit changer. Et donc il faut changer de peinture. Bon. Et à ce moment-là, arrivent les premiers impressionnistes, qui sont évidemment très mal jugés par les critiques établies de l'époque, pour qui ce qui est bon, c'est les règles de la peinture ancienne. Bon. Donc ce phénomène de la critique est quelque chose de complexe. À la fois, il faut juger non pas ce qui est bien, mais ce que l'on pense qui serait bien demain, et non pas ce qui a été bien hier. Et même dans ce qui était bien hier, savoir critiquer, par exemple, si vous prenez la peinture, savoir que Titien, c'est pas mal. Velázquez, c'est pas mal. C'est même ce qu'il y a de mieux. Bon. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on peut très bien aimer aussi des œuvres mineures ou de moins grande qualité et qui peuvent aussi apporter des choses intéressantes. C'est très complexe,
ça demande, si vous voulez, beaucoup plus un jugement d'ensemble, alors qu'on a l'impression que la critique, c'est au contraire sur les détails. C'est mettons, une œuvre, telle œuvre, bon, telle représentation de danse ou de théâtre, etc. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. S'il n'y a pas une idée globale, voilà. Alors, la critique, c'est ça. À partir de ce moment-là, moi, je suis passionné par le cinéma. Donc, ce qui m'intéresse dans cette conception, c'est justement une pensée du cinéma, une pensée d'ensemble, et voir dans le détail s'il y a approche ou au contraire recul. Quand vous avez parlé avec Serge Boson. Ah oui, hier après-midi. Hier après-midi, oui. Mods. Vous aimez bien ce film. Est-ce qu'il y a des détails quand même qui vous ont déplu ou qui pourraient être améliorés, vous pensez? Vous avez vu ce film-là hier. Vous l'avez vu, je pense, même sûrement pour la première fois. Et vous avez vu, en effet, un film qui est déroutant parce qu'il n'est absolument pas selon les critères des films que vous verrez d'habitude. Bon, donc on ne vous raconte pas une histoire de la même façon. Et en effet, il faut que vous receviez le film. Vous l'avez reçu, à votre façon. Peut-être bien, peut-être pas bien, etc. D'accord. Mais à vous de comprendre aussi, d'essayer de comprendre pourquoi ça fait comme ça. Pourquoi d'un seul coup, l'intrigue n'est pas menée de bout en bout et on vous raconte comment elle va se développer. Non, au contraire. Vous avez des bouts les uns après les autres, qui ont l'air de ne pas se succéder. Bon, en même temps, il y a peut-être quelque chose, en effet, qui relie les différents éléments, mais ce qui est donné dans sa construction même, ce sont les éléments en tant que tels, et non pas les liens. Par exemple, la notion de continuité, qui est le propre du récit traditionnel, est totalement supprimée. L'univers, ça commence par Big Bang. Une dualité. Ce n'est pas une unité. Donc comprendre que tout se développe. Tout est en mouvement. Donc rien n'est une fois pour toutes établi. Vous avez beaucoup écrit sur le personnage d'Hitchcock. Mais qu'est-ce qui vous a particulièrement fasciné chez lui? Ce qui m'a intéressé, justement, c'est son travail. C'est-à-dire sa façon de représenter les choses. Ce qui est intéressant chez Hitchcock, c'est qu'il a inventer non pas le suspense. Le suspense existe depuis qu'il y a une dramaturgie et depuis qu'il y a des livres, etc. Qu'on raconte une histoire, il y a du suspense. Dans la vie réelle, est-ce que vous allez recevoir est-ce que vous allez être reçu au bac, mettons, ou pas reçu au bac, vous êtes dans le suspense. Donc le suspense fait partie de la vie. Bon. Alors, un cinéaste décide de prendre le suspense comme non plus en tant qu'élément de la dramaturgie, mais aussi comme élément de représenter la dramaturgie. Et donc d'imaginer le suspense de façon visuelle. Regardez le cinéma d'Hitchcock, vous regardez Hitchcock et vous apercevez que dans la quasi-totalité de ses films, on peut dire trois films sur quatre, vous avez une figure qui est là. Et cette figure, je prends celle-là parce qu'elle est la plus souvent utilisée par lui, mais il y en a d'autres, c'est quelqu'un, mettons, sur une toiture, qui glisse de la toiture, qui se raccorde dans la dernière minute par le bout des doigts à la gouttière, et qui est suspendu, c'est-à-dire suspendu dans le sens où il ne peut pas se rétablir lui-même. Donc il est dans une totale passivité et son sort dépend des autres. D'une force bénéfique qui va venir le sauver sur le toit, qui arrive, ou d'une force maléfique qui risque de le faire chuter et qui tombe. Bon. Et cette figure-là, c'est en effet tout Hitchcock. En d'autres termes, il y a une construction chez lui qui s'établit et qui est le suspense, qui fait qu'obligatoirement, il faut qu'il y ait un moment d'arrêt, un moment d'impuissance d'un personnage qui est en effet suspendu à la décision des autres et à l'action des autres. Bon. Ça m'intéressait parce que les gens parlaient, Hitchcock parlait lui-même du suspense, les critiques parlaient du suspense, mais personne, et en plus, même au cahier, par exemple, que ce soit Romère, Godard, etc., défendait Hitchcock,
mais était gêné par le suspense qui était comme un procédé un peu vulgaire. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, que chez Hitchcock, le suspense est loin d'être vulgaire, c'est au contraire le moteur et quelque chose de très fort dans le sens où il représente cette espèce de crainte qui paralyse, paralysante, quand on est obligé de décider de faire quelque chose et qu'on a à la fois peur et qu'on désire à la fois le faire et qu'on a peur de le faire. Ce moment-là que n'importe qui d'entre nous a un jour ou l'autre. On est tous à un moment ou l'autre, un jour, dans un moment pénible ou difficile, suspendu. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on en est? Et cette peur et cette crainte. Et ça qui est intéressant chez Hitchcock, c'est que sa première figure, qui est justement la figure de la personne suspendue à cette gouttière, n'est intéressant, puisque vous êtes au spectacle, que si vous la reportez et la dédoublez par le vrai suspense qui est maintenant. Le type était sur sa toiture, sur le toit, il est suspendu, d'accord. Va-t-il tomber, ne va-t-il pas tomber? Mais c'est intéressant que si vous êtes en bas, sur le trottoir, et que vous regardez la scène. Alors là, vous êtes vous dans le suspense, est-ce qu'il va tomber ou pas tomber? Comme au cirque, est-ce que le trapéziste va tomber ou pas tomber? À la fois, bien sûr, pourvu qu'il ne tombe pas. Ça, c'est le côté... Mais en même temps, s'il pouvait tomber un tout petit peu, c'est que... Voilà. Donc, chez Hitchcock, ce qui est intéressant, c'est de jouer le spectateur qui est le moteur du film. Chez Hitchcock, le spectateur projette son désir et sa crainte et veut la voir se réaliser sur l'écran. Donc Hitchcock réalise pour le spectateur le désir et la crainte dans son histoire qu'il raconte. Et c'était ça qui était intéressant, de voir comment un créateur fait une œuvre sur cette espèce de jeu de dédoublement sur le spectacle qui lui est proposé. Et donc c'est ça que j'ai travaillé. Mais parce que j'ai pris Hitchcock, j'aurais pris Fritz Lang, j'aurais dit autre chose. Voilà, etc. Chaque créateur a au moins quelque chose qui lui est propre et à partir de laquelle il fabrique sa création. Vous qui avez vécu la nouvelle vague et fait partie de la nouvelle vague, est-ce que vous pensez que le cinéma de demain va se jouer sur une nouvelle vague encore une fois ou plutôt... Ça ne se passe pas comme ça. Le monde évolue. Si vous prenez le... Restons dans le cinéma, puisqu'on est là pour ça. Le cinéma, il y a un cinéma jusqu'en 1960, qu'on peut appeler aujourd'hui un cinéma classique. Ce cinéma classique raconte une histoire, enfin chaque film raconte une histoire, plus ou moins bien, avec des films mauvais et des films bons, enfin, plus d'importance, pas ça qui compte, mais il joue la continuité. Par exemple, si vous faites le montage, chaque plan doit introduire le plan suivant. Et le plan suivant est la conséquence du plan précédent. Et ça, entre autres, Fritz Lang, justement, travaille ça admirablement bien. Bon. Et la rupture obligatoire qu'est le montage est quand même pas supprimée, mais pas effacée non plus, mais diminuée, si vous voulez, par l'idée que l'histoire, elle, continue. Cette idée de continuité implique, de façon sous-jacente, que dans la pensée d'une époque, en effet, les choses, enfin, dans la société, la politique continue, les choses. Il y a une continuité dans l'évolution de la société, de l'industrie, etc., du commerce, de l'argent, etc. Continuité. À partir des années 60, il y a une sorte de révolution sociale qui est apportée par l'économie et en particulier par la façon de consommer et l'introduction de la consommation. Donc consommer, c'est prendre des choses, mais pas considérer que les choses appartiennent au monde. Donc on les prend, on achète, on a envie. Bon. Donc à ce moment-là, si vous introduisez la consommation, vous introduisez la rupture entre les choses. Quand vous allez au supermarché, vous arrachez, vous remettez pas, vous rattachez,
Et donc, à ce moment-là, vous êtes en discontinuité. Regardez le cinéma à partir des années 70, en effet, la discontinuité dans le récit devient le principe. Et là, tout à l'heure, vous avez évoqué le film de Bozon. À ce moment-là, dans ce film-là, en effet, la discontinuité devient totale. Et le film est construit sur la discontinuité, c'est-à-dire justement la suppression du futur. Pourquoi la suppression du futur? C'est que dans le récit précédent, tout était fait sur qu'est-ce qui va se passer et on va vers la fin et il faut que la fin résolve enfin le problème qui était posé. Donc on court après le futur. Dans la vie réelle aussi, c'est la même chose. Vous voulez construire le futur, c'est-à-dire vous voulez vous installer bien être dans le monde, vous installer, vous construire une maison, qu'est-ce que je vais avoir, etc. Qu'est-ce que vous allez avoir? Bon, avoir, c'est en effet construire sur le futur. Et vous êtes propriétaire du vous devenez propriétaire d'un moment du futur. Bon. La réalité, et aujourd'hui c'est très net, vous pouvez prévoir, vous qui êtes jeune, votre futur. Hein? Vous rendez compte, par exemple, à quel point c'est difficile de vous projeter dans le futur en ne sachant même pas comment vous allez vous débrouiller pour vivre. Bon. Là, dans ce coup, vous n'êtes plus maître du futur. Si vous n'êtes plus maître du futur, ben, vous êtes constamment en discontinuité. Vous dépendez des choses. Vous dépendez. Bon. Et le cinéma depuis 70, c'est ça, est fait sur de plus en plus la discontinuité, de plus en plus sur le non-futur. Le no-futur. Sur le présent. Et à présent, donc une succession d'instants. Et ce que là a travaillé Bozon, puisqu'on pourra revenir toujours à lui, c'est qu'il n'y a plus que du présent et que des moments. C'est tout. Et ça se succède, mais ce n'est pas du tout la conséquence et la conséquence de la chose qui précède et l'effet de la suite de la chose qui va arriver. Ce sont des moments qui se succèdent, apparemment sans lien. Et les liens, malgré tout, se font par la succession, et non plus comme une sorte d'obligation, de conséquence d'une chose qui a été introduite, etc. C'est remarquable pour ça, parce que l'effet de Friedland s'est fait là-dessus. C'est fait. Chaque plan est l'effet, va être l'effet du plan suivant, et le plan suivant va être la conséquence du plan précédent, et se transformer lui-même en plan qui annonce le plan suivant. Donc, cette espèce de jeu où vous êtes à la fois cause et effet, cause et effet, cause et effet. Avec chez Lang, rupture entre les plans et en même temps impression de continuité. C'est très très fort, hein, Lang. Alors là, pour moi, c'est le plus fort de ce point de vue-là dans cette construction-là. Justement, Hitchcock, lui, est constamment, s'il est dans le suspense, il est toujours dans l'instant, qu'est-ce qui va arriver demain? Donc l'espérance du demain. Le demain, c'est ou bien la catastrophe, ou bien c'est le salut. On attend des suspendus, on attend que les choses vous arrivent, etc. Voyez, je répète, les choses dans le mouvement, même dans votre vie réelle. Vous êtes un mouvement, chaque individu est un mouvement. Et ce mouvement-là, où est-ce qu'il va? D'où vient-il? Où va-t-il? Comment vous vous fabriquez par rapport, etc. Parler de l'art, c'est pas quelque chose d'à part. Parler de l'art, c'est parler de vous, c'est parler de soi, etc.